Le syndrome de Gilles de la Tourette, est-ce que c'est juste avoir des tics? Si c'était juste des tics, ça serait pas si pire. Hein? ça ferait quand même mal, mais tu sais, c'est fait que... Non, c'est ça, c'est avoir des manies, puis savoir... Non, c'est avoir une autre personnalité. Là. J'ai des troubles de sommeil, j'ai des tics, des tocs, j'ai un petit peu de tout, là. C'est tout ce qui est autour aussi, là. On parle d'anxiété, TDAH, très, très H, des fois. Moi, j'ai un TDAH, fait que c'est sûr, au niveau de ma capacité d'attention, c'est plus difficile à certains moments. Je suis continuellement à travailler, à me battre avec moi-même, que ce soit sur des tocs ou des manies. Obsessif compulsif, ouais. Aussi. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie du syndrome de la Tourette aussi. Ouais, souvent. Je compte tout ce que je vois, quand je marche, je compte, quand j'ai un événement qui me stresse. Moi, j'ai un chiffre magique qui est le chiffre 4. Donc, ça va-tu arriver d'ici 4 secondes, d'ici 44 secondes, d'ici 24 secondes? Moi, j'ai beaucoup d'impulsivité. Des fois, je vais pogner les nerfs pour pas mal n'importe quoi. Je dis souvent, un Tourette, c'est comme être un Costco. Fait que, tu sais, tout le monde a des tics, tout le monde compte, tout le monde a des manies, puis vous êtes pas Tourette pour autant. Mais être Tourette, c'est avoir tout en grande quantité. C'est ce package-là, tu sais, ce regroupement-là de symptômes, ça fait en sorte que je suis un Tourette, mais vous avez le droit d'avoir des tics. fait que c'est... OK, prochaine question. Quels sont vos tics? On a-tu une heure? J'ai beaucoup des secousses de tête. J'ai aussi tendance à pencher la tête par en bas comme pour me tirer le cou. Moi, mes tics à moi, j'en ai quand même beaucoup. Mais pas nécessairement tous apparents. Genre des petits spasmes de ventre, là, comme donner des petites secousses, comme si je dansais une danse du ventre. Donc, si on parle des tics motants, donc, au niveau de la tête, c'est drôle, en le disant, je vais le faire. Là. Donc, au niveau de la tête, je donne des coups de tête par en avant. Donc, vraiment, la tête bouge continuellement. Les épaules se contractent, puis ils vont se lever, ils vont descendre. Les yeux vont cligner. Je vais avoir beaucoup des contorsions, étirements du cou. Je vais souvent me prendre le chandail, remonter mon chandail jusqu'à mon nez, essuyer mon nez, même s'il n'y a absolument rien. Moi, mes tics, c'est que je renifle. Donc, c'est vraiment un reniflement ordinaire, là. Comme ça. J'en ai plusieurs même que je m'en rends même pas compte. Comme par exemple, hier, dans l'autobus, une fille me faisait remarquer que j'avais tendance à sentir mon livre quand je fais de la lecture. C'est par phase. L'estomac qui se contracte énormément. Des bruits avec ma gorge. Comme je fais présentement, clignement des yeux. Je siffle beaucoup. Je fais comme une espèce de son aigu. comme ça. Puis je me donne des fois des claques au visage également. Je bouge ma tête comme si j'avais des chocs. J'ai beaucoup d'hésitation dans ma voix. Ça fait partie des tics. En fait, les tics, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cyclique. Ça va pour toi. Moi, ça ouais. Va souvent faire une phase en 6 mois. On va avoir des nouveaux tics. Mais présentement, je fais beaucoup ce tic-là. Je vais me donner un coup dans l'estomac. Mes amis rient beaucoup parce que souvent, à la longue, je fais des trous dans mes chandails. Il y a des tics que j'ai faits puis je fais plus. Puis si quelqu'un me dit, « Mon Dieu, me semble ça fait longtemps que tu as fait ce tic de bouche-là. » Ben des fois, je vais juste le faire pour valider si on parlait du même tic. Puis ça va repartir le tic. Ça peut repartir le tic pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Des fois, j'ai des... j'appelle ça comme des crises de tic. Pendant 2 semaines, je bégayais. Puis j'ai jamais bégayé de ma vie. J'ai tendance à crier le mot « go ». Quand je suis tout seul chez nous, ben je me laisse aller. Avoir le Tourette, c'est souvent avoir un tic vocal aussi. Donc, je tousse. Donc, les gens me souhaitent 12 mois par année de régler ma toux. Donc, je tousse tout le temps. Fait que quand je fais ça, c'est un tic nerveux.